Bonjour et bienvenue dans l'enfer froid et sombre. Par là. Ok. Alors, nous allons partir. Alors, je vais être honnête, je pensais ne pas vraiment partir maintenant, pas encore, parce que j'avais envie de faire d'autres choses, c'est-à-dire genre aller fouiller un peu à droite à gauche. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, il reste pas. Par contre, je vais mettre tout le bois et tout ça à l'extérieur, parce que c'est un peu la merde de le récupérer comme ça. Donc tout ce qu'on va mettre brûlé, là, on va le mettre à l'extérieur. On va prendre ça aussi. Bon, on va remplir notre sac de toute façon. Donc voilà, je voulais aller faire un tour et potentiellement en fait aller trouver des petits endroits parce que par exemple il nous manque toujours le Polaroid ou des choses comme ça. Donc j'avais envie de faire ça. Le problème avec ça, c'est que encore une fois, comme j'ai dit, c'est sûrement des petits endroits en fait qui nous manquent. Donc des petits endroits, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas grand-chose qui reste. Voilà. Y a sûrement peut-être un cadavre quelque part qui a la photo. Ou alors c'est peut-être une voiture. Voilà, c'est vraiment des petits endroits. Donc du coup, ça se traduit par des petits endroits qui servent pas à grand-chose. Vous voyez, on va pas trouver grand-chose là-dedans. Donc... On a des trucs à faire cuire, on va les faire cuire après. Donc, au final, ça serait plus du détail qu'autre chose. Et on n'est pas encore prêt parce que on n'a pas les bons vêtements. Comme j'ai dit plusieurs fois, on a des problèmes hein, avec le froid quand même. Donc voilà, je pense qu'on va pas pouvoir faire dans la dentelle pour le moment. Mais on va sûrement pouvoir faire. Ça, c'est bien ça, 40 et 30, c'est très bien. Mais on va peut-être retourner, revenir plus tard, et après, là, on fera la carte tranquillement et tout ça, quand on aura plus de vêtements, de meilleurs vêtements, qu'on aura plus de résistance et tout ça. Ça, oui, on reviendra. Mais voilà, pour le moment, je crois que ça sert plus ou moins à rien de faire ça, donc on va pas le faire. On va pas le faire. Je fais un peu le tri de ce qu'on va prendre. On va les garder. Ah oui, c'est vrai qu'on avait gardé toutes les conserves, ça c'est bien, on va les manger. Ça, non, c'est bien, ça c'est bien. Je pense que c'est bon comme ça. Je pense qu'on est bien là, on est bien. On est à 32-27. Qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, on a les pots à prendre. On a les pots. Alors il y a des pierres, on peut même jeter des pierres et du charbon. Je vais jeter les pierres. À l'extérieur, je vais les mettre à l'extérieur. C'est 4 pierres, de toute façon, on s'en fout. Juste là. Très bien. Elles peuvent pas se mettre ensemble au lieu que ça soit tout éparpillé par terre, là. Enfin, bref, c'est pas grave. Et maintenant, il nous reste. Il y a ça aussi à ranger. Ok. Le plomb, ça, on reviendra pour le prendre quand on décidera de faire des balles. Là, il y en a, on va en prendre seulement deux, ça suffit. On a 31, 67. Je crois qu'on a des fêtoirs. Bon, je vais prendre la lampe parce que ça, c'est une catastrophe. Ok. Voir ce qu'il y a par terre. Alors ça sèche. Ça on prend. Ah la vache, alors attends. Not sure I can carry much more. Ça c'est un bordel monstre. Ok. Je vais économiser la lampe, hein, désolé. On va faire ça dans le noir, mais... D'abord, je vais mettre les pots ici. Les grandes pots, on va pas les prendre. Alors, le truc pour les pots, c'est ce qu'on va faire, c'est que... Genre ça, les pots de... pardon, les fourrures de cerf ou de loup, on va pas les prendre. Pourquoi? Ça nous sert à rien pour le moment. Parce que de toute façon, si on veut les crafter... je vais vérifier encore une fois. Il faut à chaque fois des couteaux ou une hachette. Donc ça, on n'a pas. Et il faudra faudra aller les crafter d'abord, puis après, on reviendra pour crafter nos vêtements. Donc ça, on peut pas le faire maintenant. Donc les pots ne servent pas vraiment à grand chose, les grandes pots. Par contre, ça,
Ça, oui, ça on peut le faire juste avec des outils en fait. Avec des kits de couture, pardon. Donc ça on peut. Les bottes. Ah, les bottes aussi, c'est vrai que j'avais pas vu. Et le pantalon aussi. Ok, ça change mon idée. Donc il n'y a que les manteaux en fait. J'avais complètement oublié ça. Ok, donc ça on peut le faire. On va voir un peu, on va voir un peu la taille. Donc ça on jette. Voilà, donc la peau de loup, oui, on le jette par terre. Les bâtons, pour le moment, on n'a pas besoin de faire d'arc. Ça on jette, ok. Alors, les boyaux. Est-ce que les boyaux, on les prend ou pas? Ça nous fait quoi? 5, 10, 14. 14 boyaux. Du coup, ça nous fait 1,4 kg. C'est pas très lourd, on peut peut-être les prendre. Alors après, on a des peaux de lapin. Ça, les peaux de lapin, on va les prendre, oui. Est-ce qu'on a des sèches? 1, 2, 3, 4. Ok, que 4. Et on n'a pas de boyau sec. Ouais, non, on n'a pas de boyau sec. Ouais. Vu qu'on a mis ça au même temps, en même temps, je pense. Donc ça, c'est 3 jours pour les peaux de lapin. Les boyaux, c'est 5 jours. J'imagine qu'il doit rester au moins un bon 24 heures. Donc, non, on va pas se trimballer pendant 24 heures sans rien faire. Par contre, on est à 37 kilos. Il faudrait être en dessous des 37 kilos. Parce que là, si on prend les peaux de cerf, ça fait beaucoup. Alors, on a ça. Ça fait 30, 30, 50, 50, 25. Mais tiens, il faut qu'on mange aussi. Donc, ça, on peut le faire chauffer. Ça, on peut le faire chauffer, ça aussi. Donc, on va manger les choses qu'on ne peut pas faire chauffer d'abord. On a aussi 1 kg de viande qu'on peut jeter. Ouais, donc du coup, alors peut-être que les pots de serre servent à quelque chose de les prendre maintenant, j'avoue. Oui, j'avoue que... Ouais, ok. Bon, on va les prendre, on va les prendre. Ok, très bien. Peut-être que ça passe. Hein. Et puis après, on jette l'eau. Puis après, on jette l'eau et on se débrouille comme ça. Après, est-ce que les boyaux, ça sert à quelque chose de les garder sur nous? Les boyaux, c'est toujours utile. Hein. On peut faire du fil. Puis après, à chaque fois, il faut des boyaux. Hein, mais on peut faire ça, du fil aussi. Donc c'est toujours bien d'avoir un surplus de boyaux, j'ai envie de dire. Bon, ça va être la merde hein, pour se balader avec ça. Parce que là, on pue la barbaque. Donc... Après, c'est léger. Puis après, si je me fais courser par un loup, j'ai qu'à balancer un boyau, en fait. Ce sera facile. Le marteau, on va le prendre, parce que je suis quasiment sûr qu'on n'en a plus. Enfin, qu'on n'en a pas, surtout. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Faut voir un peu le frigidaire. Ah oui, je voulais compter ça aussi. Genre comme ça. Enfin, quoique, peut-être qu'on n'en a pas vraiment besoin, honnêtement. Là, on a 3, 4, 5 de reishi, 2B. Là, on a 3 reishi de plus. Et là, on a 9 de B. À la limite, on pourrait prendre du reishi. Mais après, je crois que je peux en crafter. Alors, voyons. 2. Et là. 1, ok, ça marche. Donc, on n'a pas vraiment besoin de prendre des thés en plus, qu'on en a quand même bien. On est pas mal. On a ça. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que j'en avais déjà parlé, les conserves ne reprennent pas de pourcentage. Avec la viande, même si la viande atteint 0 et qu'elle est crue, si vous la faites cuire, elle montera à 50 en fait. À chaque fois que vous faites cuire une viande, vous gagnez 50% de... Ben, des pourcentages quoi de comment ça s'appelle Ah, putain. Bon, il me manque un mot, le mot il reviendra ben, voilà, enfin les pourcentages voilà. Vous récupérez 50% mais ça ne marche pas sur les conserves. Donc du coup ça on va les laisser, on va pas les prendre. Ça on va le faire cuire, ça va nous donner un bonus de chaleur, comme ça on n'aura pas de problème. Ça fait 1 kilo à manger aussi, donc on est à 36,19. Et après si on a un problème niveau poids, quand on est aux cordes, on peut encore balancer au moins combien?
3 kilos de flotte. Donc la flotte, ça va. Après, je veux prendre ce jerrycan là et pas le gros jerrycan. Pourquoi? Parce que j'ai envie de garder un jerrycan qui est plus ou moins plein, enfin qui a beaucoup déjà de ressources, à 1000 tonnes. À 1000 tonnes. Et nous, on va essayer de le charger, en fait, ce jerrycan là que je prends avec moi. Et on le chargera en allant pêcher, en gros, quand on sera de retour à Mystery Lake. Et je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon pour partir. Let's go. C'est l'heure où on part. Let's go. Alors, on va faire une petite pause au petit bâtiment, en fait, juste avant la corde. Comme ça, on va pouvoir se réchauffer et tout ça. Et on va peut-être faire dormir déjà. Hein. Mais on va surtout faire un feu. J'ai envie de prendre ça aussi. Ça, c'est combien? C'est 900 calories. À la limite, on prend ça, on jette l'autre. Ok. Une seconde. Là, on pue la barbaque, par contre. On est un peu lourd. Trop froid. On a encore des massettes là. Non, c'est pas grave. Ah, il y a un cerf là, c'est vrai qu'il y a toujours un cadavre de cerf. Ouais. J'avais complètement oublié. C'est vrai que, vous voyez, ça c'est un exemple, comme je disais, on n'a pas fait dans le détail Hamilton. Il reste quand même plein de petits endroits, en fait, à aller voir. Oh. Vous voyez ? Qui bouge. Oh, c'est quoi, c'est un cadavre? C'est un loup, ça? Ah, c'est pas le loup sur lequel on avait tiré deux fois avec le fusil, là? Tu vas me dire qu'il s'est baladé, enfin, il a survécu jusque-là. Sinon, là, on lui avait tiré, il était tout là-bas, quoi. Ouais, non, ça doit être lui, ouais. Ça doit être lui. Les bois, on va les mettre là-haut, là-bas, là, dans le bâtiment. Faudrait que je m'en rappelle aussi. Par contre, on va avoir froid. J'aurais dû faire une pause à la station service. Non, mais c'est pas grave. Il y a aussi des lapins. Voilà, on va s'arrêter là. On va dormir, on va faire à manger et dormir. Enfin, déjà, on doit cuire les viandes là qu'on a. Comme ça, on pourra les bouffer sans problème. Ah, est-ce qu'on aura chaud là-dedans? Ouais, non, ça m'aurait étonné aussi. Ouais, moins 5. Ça marche. Alors, on va faire un feu. J'ai laissé aussi une boîte remplie d'allumettes. Pour en avoir un peu de côté. Il faut d'abord faire un feu. Voilà, let's go.
Donc voilà, on va faire cuire la viande, on va faire cuire les boîtes de conserve aussi. On va même pouvoir les ouvrir en fait, les forcer et les mettre à côté du feu, parce qu'on n'a pas besoin de les faire cuire vraiment, on a juste besoin... Putain. On a juste besoin de les faire réchauffer. Ça aussi, c'est vrai que c'est pas mal de ce côté-là. Et putain, t'es sérieux? J'utilise le fuel si ça loupe encore une fois. Enfin, on verra. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les bois, on va les laisser là. Ok, très bien. Très très bien. On va tout mettre parce que on s'en fout de garder du bois. Enfin, peut-être à la limite 3 pour faire une torche, je sais pas trop. C'est vrai qu'on pourrait refaire une torche à 100%. C'est pas grave, on va garder, on va voir. On verra ça. Est-ce que ça sèche là? Ça sèche, ça sèche. Donc j'ai envie de faire ça. Vous entendez le bruit est différent. Ça aussi. Très bien. Non, peut-être pas là. Quoique. Non, si c'est bien là. Ici. À la porte, comme ça je les vois. Ah, très bien. Oui, au lieu de perdre mon temps, peut-être. ...50 minutes, ok, ça marche. Alors ça... Hop, magie. On a fait jeter, on n'a pas fait ouvrir. Mais j'en avais parlé. C'est parce que vu que ces choses-là, en fait, peuvent réchauffer quand c'est proche d'un... C'est comme un thé, en fait, ça marche comme un thé. Près d'un feu. Du coup, en fait, elle va les ouvrir automatiquement si vous les jetez à côté du feu. Parce que, en gros, vous pouvez pas faire chauffer... Et c'est ça qui est marrant, parce que vous arrivez, en fait, à la limitation en fait du jeu lui-même, du moteur du jeu. C'est-à-dire que le jeu ne va pas vous laisser mettre un objet qui peut se réchauffer fermé. Donc du coup, ça a l'air dégueulasse comme ça en plus, on dirait des verres dans... donc du coup, ça vous force à l'ouvrir à chaque fois. Je trouve ça assez comique en fait de voir ça. Ça vous pousse à ouvrir les conserves. Vous êtes complètement obligé d'ouvrir les conserves. Alors on peut dormir. On aurait dû dormir peut-être un peu en avance, que là la viande... Enfin la viande va pas brûler non plus. Mais... Très bien. Oh, presque. 10 minutes. Après il reste ça. 1 kg 920, très bien. Ah, le bruit que ça fait, dégueulasse. Ça, ok. On peut peut-être récupérer un peu plus de branches. Les pierres. Ça, je voulais prendre des lapins au cas où. Juste pour le kiff. On va rentrer. On va regarder de l'autre côté là-bas là, après. On va d'abord changer la viande qui est en train de cuire. Donc je pense que c'est pas mal là comme ça. Je pense que c'est pas mal. Ouais, comme je disais, voilà, quand on reviendra ici avec des bons vêtements et des outils et tout ça, et peut-être
genre plus de kérosène pour la lampe et tout. On fera vraiment le tour de la ville. Bon, on l'a déjà bien fait, ok. C'est pas comme si on avait négligé le tour de la ville ou quoi que ce soit, hein, quand même. Faut pas déconner. On a fait du bon travail. Mais on fera mieux les choses. On fera mieux les choses quand on aura un meilleur équipement. Genre, je voudrais bien... honnêtement, vu qu'on connaît les... la nouvelle zone, donc le canyon des cendres. J'ai bien envie de, entre parenthèses, rusher en fait cet endroit. Mais c'est un peu compliqué en fait de le rusher. Parce que comme j'ai dit, l'endroit est compliqué d'accès. Il nous faudrait au moins... Oh la vache, j'ai plein de bois. Est-ce que je me sentirais... Avec quel équipement je me sentirais bien d'aller au canyon, moi, perso? Je vais être... Je sais pas trop. Je voudrais bien avoir full équipement, en fait, genre pour résister au froid. Et après, on irait avec un arc aussi. Ça aiderait énormément. Ou alors beaucoup de balles. Mais c'est vrai que je voudrais bien récupérer les crampons et le sac spécial très vite en fait. C'est vrai que ça nous aiderait énormément en fait dès le début d'avoir ça. En tout cas, alors... Ah oui, après il y avait une personne qui m'avait dit une chose, c'est vrai. Ça j'en avais parlé, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment pensé à le faire. C'est garder un pantalon qui est aussi chaud que celui en peau de serre. Peau de serre, c'est 2 degrés. Parce que le peau de serre, en fait, protège énormément de l'humidité. Mais comme j'ai dit, il y a une couche intérieure et extérieure, en fait, au pantalon. Et au pantalon, au torse aussi, pareil, les vêtements, c'est pareil. Genre s'il commence à pleuvoir, faire de la neige et tout ça, il y a une seule couche en fait qui va commencer à être attaquée par l'humidité. Et c'est vrai que moi j'avais mis 2 pantalons de serre, mais au final le pantalon de serre ça enlève énormément de... ça enlève 5% d'endurance. Donc on pourrait mettre un autre pantalon qui fait aussi 2 degrés de chaleur. Et... Enfin bref, je vous montrerai quand on le fera. Je suis sûr qu'il y a des gens à moitié qui a dû comprendre de quoi je parle. C'est pas grave, on le fera en temps voulu. C'est juste que j'étais en train de penser à ça en fait. Mais en gros voilà, il faut comprendre qu'il y a une différence entre une couche intérieure et extérieure dans les vêtements. Ok, on a ça. Et là on peut dormir. On peut faire ça. On va faire de l'eau, et après l'eau on la laisse par terre. Très bien, 3 heures. Dormir 2 heures. Très bien. Très bien. Ça, j'ai envie de le garder de côté. On a combien? 28 kilos. Je pense qu'on va pouvoir y aller. Je crois qu'on devrait pas dépasser les 35. Ok, très bien. Mais on devrait être proche. Oh non, ça va! Je pensais qu'on était à 33, 34. On est à 32,5. C'est très bien parce que là, ça fait 1 kilo déjà. Le fait tout. Et après, on a ça. On va en manger. Ça fait 2 kilos avec la viande. 2 kilos en plus. On pourra laisser, comme j'ai dit, de l'eau. Ça, c'est 450. Ça, c'est 600. 0,25. 0,50. Ça, je crois que ça donne beaucoup d'eau comparé au reste, je crois. Ouais, ça donne pas mal d'eau.
Ouais. Ok, très bien, c'est comme prévu. 3 litres. Ah, c'est marrant! J'aurais pas pensé, mais ça compte comme si on avait fait de la nourriture en fait. Vous avez vu, il y a eu le symbole intéressant. J'aurais pas pensé à ça par contre. Ah, ok. Bon à savoir. Je prends des torches parce que j'ai envie d'en balancer en fait en bas. Ah oui, tiens, c'est vrai que... Ouais. Quand on l'a récupéré, parce qu'il y en a... Ouais, non, c'est parce que je les avais pas repris en fait. Je les ai ouverts automatiquement parce que voilà, c'était à côté du feu. Mais... Ah, ça va. La torche, elle est à portée. Mais c'est vrai que ça donne aussi de l'expérience. Très bien. Pour se réchauffer, on prendra une des soupes là qu'on a fait brûler aussi, qu'on a fait chauffer. J'ai vu un lapin, donc on devrait être bon niveau loup. Même cette section là, on s'est pas vraiment trop attardé. Là je vois du champignon et tout ça, c'est vrai que ouais. Il y a plein de choses qu'on a vu un peu louper quoi. Mais bon, comme j'ai dit, ça reste du détail pour le moment, et quand on reviendra, on refera tout ça. Encore des loups devant. Par contre, on doit prendre une grotte, non ? Après. Je me rappelle plus. Oui, non, si. Bon, on a la lampe, hein, c'est pas grave. Mais, ça aurait été bien aussi d'utiliser les torches à la place, peut-être. Ah, mais non, mais du coup, je suis con. Non, on pourra pas. On pourra pas parce qu'on peut pas monter avec la torche. Oui, non, c'est vrai. J'avais complètement oublié ce, ce petit détail. Il y a plein de lapins. Ah oui, c'est vrai, ça sert à rien. C'est cool. C'est cool. On va prendre ça. Il nous faut un peu plus d'eau. Voilà, on gagne un peu de chaleur. On gagne quasiment rien de chaleur. C'est étonnant. Regardez le réchauffement. Il a quasiment pas monté. Genre, alors, est-ce que le thé serait plus puissant? Peut-être que ça? Que la nourriture en conserve? Intéressant ça aussi. Ah, on a froid maintenant. Alors qu'on vient de... Ouais non, c'est bizarre. Ouais, non, c'est pas grave. C'est intéressant, on dirait que le buff est beaucoup moins puissant que quand on fait ça avec un thé en fait. Alors peut-être que c'est dans un sens logique, genre est-ce qu'il... Maintenant c'est la question, c'est ça, c'est est-ce que c'est fait logiquement ou pas? Genre un thé ça réchauffe un peu mieux que par exemple si vous faites bouillir des... je sais pas, des faillots ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Est-ce que, voilà, est-ce que c'est voulu ou pas? Moi je trouve ça un peu bizarre. Mais le bonus a l'air différent, a l'air moins puissant. On a une petite distance à parcourir, c'est roulé.
a 7. On va pas les prendre. Même si ça nous sert, on va pas les prendre quand même. Voilà, très bon. Ouh là là. Voilà, très bien. Parce que... Alors ça maintenant c'est devenu froid, donc je peux pas vraiment le montrer, pardon. Mais ouais, c'est un peu étrange. Bon, ici on a chaud, c'est bien. On va pouvoir dormir un peu aussi. Je pense que je vais... Attends, quand on sort, on sera... Ah non, mais on sera à côté de la maison du trappeur, là, donc pas besoin, honnêtement. On pourra dormir à la maison du trappeur. On va essayer de se bouger juste parce que on est déjà passé par là, déjà de 1. Et de 2, ça évitera de trop utiliser la lampe. Après, on m'a dit que le charbon réapparaissait. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que celui-là, on l'avait pris déjà? Mais on m'a confirmé que ça réapparaissait. Mais bon, avant, on m'avait aussi confirmé... que genre les champignons... Non, c'était quoi? C'était les massettes qui repoussaient. Les massettes ne repoussent pas. Hein. De mon expérience, non. Ah, par contre, elle est fatiguée. 35. De mon expérience, les massettes et tout ça ne repoussent pas. Les champignons non plus. Les baies non plus. Donc, est-ce que je peux vraiment faire confiance aux gens? Montrez-moi un lien. Envoyez-moi un lien qui montre ça. Non, mais après l'épisode, je regarderai... comment ça s'appelle ? Wikipédia. Il y a des gens qui m'ont même dit les bois pour faire des arcs et des flèches aussi repoussent. Jamais vu. Jamais vu. Alors après, bon, moi je suis toujours en intrus, hein, vous savez. On est à la sortie. Moi, je suis toujours en intrus, donc c'est peut-être aussi pour ça. Manger ça. Ah, ça enlève de l'eau par contre. Ça, je savais pas ça. Je pensais que ça donnait de l'eau les feuilles. Ah, ok. Donc, c'est bon à savoir. Alors, là, on pourrait dormir une heure, mais bon, comme j'ai dit, on est à côté de la maison, voilà. Là, vous savez, la maison qui est allumée à l'extérieur, mais qui est éteinte à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Hein, vous vous rappelez ça? Ça aussi, ça me rend fou à chaque fois. Là, on va rentrer dedans, on va strictement rien voir, ça va m'énerver. Il fait pas très froid, par contre. Non, non, je viens de dire qu'il faisait pas très froid. Donc arrête de t'opposer à ce que je dis. Cette maison, je crois que c'est une des pires qui m'agace, en fait. Parce qu'il faut dire que genre la proportion, des fois, est mauvaise dans le jeu, mais c'est fait exprès, parce qu'ils vont pas faire des immeubles extrêmement gros, enfin des bâtiments extrêmement gros de l'extérieur. Mais je crois que ce bâtiment est l'un des plus agaçants. De l'extérieur, on voit qu'il y a la lumière et tout ça. On rentre, il n'y a rien du tout. C'est horrible, c'est super énervant, je trouve. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, je comprends pas du tout. Ça vient leur idée de... Waouh, leur idée d'avoir fait ça comme ça, je sais pas du tout. Ah, bien, très bien. Dormir 3 heures. Ça va nous prendre nous faire récupérer un peu de vie. Donc maintenant, on va retourner au camp principal. On va se vider un peu. J'aurais dû poser les pots et tout ça. Ouais, ça va, très bien. On est dans le bleu maintenant. C'est pas grave. Objet fouillé, qu'est-ce qu'on a laissé? Ouais, ça c'est pas grave. Quoique, honnêtement, on va le prendre sur nous. Et on va le mettre à notre camp principal. Ah, les allumettes que j'avais oubliées. Exact. Oula, attendez. Qu'est-ce qu'on avait mis là-dedans?
qu'on avait laissé? Parce que là, il y a beaucoup de choses, j'ai l'impression. What? Ouais, mais on a du... On a des faitous là-bas? Ou pas? Je m'en rappelle plus, moi. Ok, attendez. C'est vrai quoi, attendez, la poudre à canon, ça se fait comment, déjà? Parce que c'est vrai qu'on aurait pu en faire à 1000 tonnes, je crois. Fais voir. La poudre à... Je sais que ça se fait à la main, si on en a fait. Hein. On a fait, du coup. Mais comment ça se fait, la poudre à canon? C'est à la main ou c'est pas à la main? Charbon établi à munitions, poudre de soufre. Ah oui, c'est la souche et la poudre. Oui, oui, c'est souche et poudre. Ouais. Soufre et poudre et souche. Ok. Établi à munitions. Non, non, ça c'est faux. C'est, je crois que. Si je me rappelle bien. On peut le faire ici, hein, je crois bien. Hein. On avait vu, parce que j'en ai fait. On est d'accord? Je me rappelle plus. Je crois qu'on peut le faire ici. Enfin bref, c'est pas grave, de toute façon. Mais on n'avait pas le, tous les objets pour faire de la poudre. Mais on va la prendre, on va la prendre du coup. Je l'ai bien prise. Ouais, 0,50, très bien. On a aussi récupéré donc le livre de chasse. C'est pour le fusil, c'est très bien, donc on a des livres, ça aussi c'est 25 heures je crois. C'est celui-là qu'on va lire en premier et après la couture facile. On est bon là ou pas? On peut partir? Ouais, on peut partir. L'eau pas propre, j'ai envie de dire, ou on la laisse ou on la prend avec nous. De toute façon, dans un sens, j'ai envie de dire lourd pour être lourd. C'est du pareil au même. Hein. Mais bon. On y va. Ok, let's go. Oh la vache. Parfait. J'espère qu'on va pas avoir de surprise sur le chemin. Et comme j'ai dit, c'est un peu barbaque. Là, on a des... C'est quoi, c'est un loup, ça? Non, là, il y a des lapins qui bougent. Non, c'est un cerf, ça. Vous voyez, même lui derrière, il vient pour nous. Regardez, il trottine, vous voyez? Il trottine parce qu'il nous a flairé là-bas. On va faire un train, je vous dis même pas, on va faire un train de loup, ok? Vous êtes prêts? C'est comme dans les MMORPG. Vous en avez qui poulent, genre qui poulent les monstres. Là, on va faire un train de monstres. Et après, on va tous leur mettre des balles dans la tête, ça fera plein d'expérience. Par contre, je devrais peut-être pas me mettre sur une pente, parce que si on se pète le mollet, on va pas pouvoir sprinter, je vais pleurer. Ah, là, il y a un bois, là. Vous voyez qu'on a le temps. Évidemment qu'on a le temps. Ah non, il y a une écorce. Fais chier. Une écorce, elle est devant. Faites pas du demi-tour comme je viens de faire. Enfin, de aller en arrière. Vous rapprochez pas du loup parce que s'il commence à sprinter et qu'il a un peu atténué en fait la distance entre vous et lui et que vous retournez vers lui, le truc va sprinter sur vous après d'un coup. Vous sautez dessus. Il y a un corps là ?
D'accord, super. On va avoir froid. On peut pas lui balancer un petit bout de bois là, genre va jouer. Honnêtement. Bah il est con ce loup ou quoi? Waouh, bah il a l'air d'être très con je crois. Honnêtement, j'ai eu des loups qui m'ont poursuivi genre une région entière alors que j'avais aucun morceau de viande sur moi. Lui, il nous a flairé de super loin et il a abandonné en plein milieu. Alors je sais pas ce qu'il a, lui il doit avoir un problème mental le loup. Hein. Très très étrange. Méga méga étrange là j'avoue. C'est une torche. Attendez, on va se mettre de ce côté là, comme ça on voit sur le côté gauche aussi. Si jamais il y a des loups. Oh, il y a un truc, j'ai pensé aussi. Vous savez comment on recharge le revolver? Genre balle par balle et tout ça. C'est stylé et tout, j'aime beaucoup. Là. Genre, il y a une vidéo où j'ai mis revolver au slot et tout, parce que ça m'a fait marrer. Alors, je vais reparler d'un jeu, je sais que c'est embêtant, mais Tarkov. Ok. Escape from Tarkov, ok. Quand vous avez votre rechargement au maximum, l'animation en fait du rechargement change. Elle est légèrement différente pour montrer que vous avez maximisé en fait votre rechargement. Ça serait vraiment bien que quand on est au maximum dans The Long Dark, pareil, genre avec l'arc, avec le fusil et le revolver, que le ou l'animation de rechargement change ou l'animation dont vous tenez l'arme change. Par exemple avec l'arc, au lieu de tenir tout. Oh putain, ça insère, ça va. Je crois que c'était un loup. Au lieu de le tenir droit, l'arc, bah vous le tenez genre à l'horizontale, au lieu que ça soit de la verticale. Ça peut être pas mal, ça peut être un style. Si c'est le revolver, bah vous le rechargez plus vite. Mais aussi, je sais pas, vous rechargez, je sais pas, deux balles par balle, enfin deux par deux. Ou alors vous le faites tournoyer, vous voyez, quand vous l'avez rechargé, je sais pas, un truc cool, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça aurait été vraiment bien, parce que j'ai pensé à ça, et je pensais que j'ai trouvé l'idée sympa en fait dans ma tête. Et après il y a beaucoup de choses que je trouve sympa dans ma tête, mais que les autres trouvent pas vraiment sympa, mais c'est une autre histoire. Mais voilà, j'ai pensé à ça. Tout simplement, j'ai pensé à ça. Encore des rideaux à détruire. Putain, on n'avait rien fait ici en fait. C'est vrai qu'on a plein de chaises. On a de l'eau. On a même pas d'eau. Putain, on a rien foutu. Ah non, c'est vrai qu'on avait rien foutu parce que on avait rushé en fait. On avait plus ou moins rushé. Ah bah du coup on aurait dû prendre... Bon peut-être que j'y retournerai pour faire... Pour prendre un autre... Non non non. Ok, très bien. Ah mon dieu. Ok, alors attends. On a beaucoup de choses là par contre. Fais voir un peu. Je me rappelle plus vraiment de ce qu'on avait fait, je vais être honnête. Alors, là on a ça. Ah oui, ça on a ça, c'est bien. L'écharpe. L'écharpe, on n'en a pas besoin. Non, parce que nous on avait bonnet, exact, exact. Exact. 0,22. Tiens, on a fait bugger le jeu. C'est cool. C'est la première fois que j'arrive à dépasser les 10 kilos. Ça, c'est super étrange. C'est la première fois que j'arrive à dépasser un truc. J'ai jamais vu ça. Chaque fois, le jeu me refuse, en fait, une fois qu'on dépasse... Enfin, c'est bizarre. Donc ça, c'est bien. Après, il y a le tiroir de... en dessous, au-dessus. Ouais, ok. Alors, lui... Alors, ça, c'est pour les flèches. Ça, c'est pour la cuisine en nature. On va le prendre. Ah, putain, on a... c'est vrai qu'on a plein de revolvers, quand même. Et j'avoue que... J'avoue qu'on en a du bordel quand même. Ah
Ouais. Ouais. Oui, parce que je, comme j'avais dit, vu qu'on voit pas vraiment à l'intérieur, c'est mieux de mettre dans les placards et tout ça. Donc, ça a une certaine logique. Hein. Bon, pour les livres, nous, on va garder quoi? On va garder la cuisine. Ça. Et revolver. Après, fusil, c'est pas grave. Pour le moment, l'arc, c'est pas grave non plus. Mais on va prendre ouais, ces trois livres-là, c'est le plus important. Revolver, cuisine et couture. Très bien. On n'a pas d'eau... d'avance, c'est con. Ça, c'est bien. Très bien. Ah oui. Il me manque pas des boîtes d'allumettes. Oh non, j'ai pas repris les allumettes qui étaient à Hamilton, je crois. Je crois que j'ai oublié les allumettes qui étaient à Hamilton, non? Vous savez, à un moment, j'ai déposé des allumettes pour allumer la torche, non? Si? Je sais plus. Honnêtement, je sais plus. On va déposer des choses à l'extérieur. Ok, il n'y a strictement rien, ça fait plaisir. On a le cerf là qui est pas loin, je l'ai entendu. Très bien. Très bien. Je suis en train d'avoir un doute. Est-ce qu'on a récupéré vraiment les allumettes? Parce que... Est-ce qu'on a récupéré les allumettes du sac? Mais je suis en train de me dire que je crois que j'ai laissé les allumettes. Parce qu'on avait... Je sais plus. C'est pas grave. De toute façon, après... si jamais on doit y retourner, on y retournera. Hein. Ça prend 20 minutes. 20-30 minutes. Vu qu'on peut sprinter, c'est pas très grave. J'ai envie de dire. Alors, nous, on va déposer tout ça. Très bien. 1, 2, 3, 4. On essaye de déposer toutes les choses du même type, au même endroit. C'est pour ça que je fais des pas à chaque fois. Voilà, très bien. Ben je crois que ben c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal. On a du métal. On n'a pas de métal par contre, je crois. On va faire du métal. Avec tissu. On a un revolver, donc avec des balles. Alors ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, c'est essayer de faire un peu le tour de la zone, honnêtement. Et potentiellement essayer de chasser un cerf. Genre, il y a un cerf qui est pas très loin, mais je veux pas le faire maintenant parce que je veux déjà me le prendre tranquillement. Donc je veux me proposer et tout ça. Mais ça serait peut-être pas mal d'essayer de se faire le cerf qui est là. Et après de faire un peu le tour de la zone. 2h, 1h30. Par contre, au marteau, ça devrait être 1h. Hein. Parce qu'entre 1h et 1h30, c'est aucune différence. Hein. Genre, casser une chaise à la main et casser une chaise au marteau, je peux te dire que au marteau, ça va vite, normalement. Il est où, le tiroir? Il n'y a pas de tiroir sur celui-là? Bah si. C'est juste que j'arrivais pas à le... Hop, très bien. Le reste, on va le garder sur nous. Parce qu'encore une fois, on a des vêtements qui sont pas très lourds. Donc... il va falloir aussi qu'on récupère de l'eau.
Enfin, non, du bois surtout pour faire un feu. Et après, on fera de l'eau et on fera cuire la viande. Donc c'est pour ça que je voudrais chasser un cerf, moi, perso. Bon, faudra que je regarde l'épisode, parce que je crois bien qu'on a loupé. J'ai oublié de reprendre les amis, ça fait chier. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait casser? Encore des rideaux. Ah, très bien. Allez, on va dormir et ça sera la fin de notre petit épisode. Bah, l'épisode qui a pas duré extrêmement longtemps non plus, j'ai envie de dire, parce que c'est encore une fois, si on était vraiment en intrus normal, ça prendrait énormément de temps de faire des allers-retours comme ça. Mais là, j'avoue que le fait de pouvoir sprinter, bah oui, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, parfait. Très très bien. Oh, on peut en faire 5. Faire 1, faire 2. On va les garder, les autres, ça sera du. Comme d'habitude, hein, vous le savez, j'utilise ça pour faire passer le temps en fait, genre 15 minutes, 30 minutes dans des bâtiments pour nous réchauffer et tout ça, c'est vraiment pratique. Donc c'est pour ça. Parce que de toute façon, on n'en manque pas vraiment. On en a 9 d'avance, 9 et 5. Là, on a ça aussi, il faudra qu'on le fasse. Et après, on en a 2 ici. Mais après qu'on fera un feu, on en fera plus. Ça aidera pour la cuisine, pour monter la cuisine. Ok, c'est parfait, on est bon. On est bon. On va dormir et la prochaine fois on ira à la chasse. Et moi je vais regarder si j'ai vraiment oublié ces allumettes à la con. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao.